En fait, j'ai commencé à m'intéresser, effectivement, comme vous avez pu le lire, à des danses qui n'avaient pas été jusqu'à la visibilité, mais qui avaient existé à un moment dans le travail, soit inventées par moi, soit inventées par des personnes avec lesquelles je travaille. Et j'ai fait une sorte de pari que ces danses avaient vu des choses du monde que moi, je n'avais pas vu à l'époque. Le pari que si un événement a lieu quelque part dans le monde, les danseurs ou les corps, enfin les corps et les danseurs peuvent le retransmettre dans leur mouvement sans en avoir eu, je dirais, la connaissance ou la conscience directe. On a, je dirais, sélectionné une de ces danses qui aujourd'hui fonctionne comme une sorte de terrain commun. De déchiffrer cette danse, et ça c'est Mathieu qui l'a fait, de déchiffrer cette danse qu'on appelle la danse de Brest parce qu'elle a été dansée en août, improvisée en août 2000, donc c'était une improvisation que moi j'ai faite face à un danseur qui avait dansé juste avant moi. C'est une sorte de technique de travail que moi j'appelle des appels-réponses. Et Mathieu qui dérochette en espérant trouver une danse perdue intéressante, a choisi celle-là. Et en fait, c'est lui qui l'a défrichée, qui l'a complètement... Moi, je ne savais plus la faire, donc vraiment, j'ai été évidemment dans le même réapprentissage que tous. C'était d'ailleurs très intéressant d'essayer de retrouver le chemin comme pour chacun, mais ça a été via le prisme de Mathieu que des choses ont été retravaillées. Puis ensuite, chacun a dû se réapproprier et réinterpréter la chose. Ce que je veux dire par là, dans cette passation finalement des points de vue sur une danse dont personne n'a la version originale, sauf le jour où je l'ai dansé, mais c'est fini, je ne sais même plus le faire comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que ça a transité par tous nos corps, et que je pense que c'est ça qu'on voit. Donc c'est dans le processus de se dire une danse perdue, et qu'est-ce que cette danse perdue a vu, et qu'est-ce qu'aujourd'hui on associe, alors qu'est-ce qu'elle a vu, c'est-à-dire que ce n'est pas le passé qui m'intéresse. Sans doute elle a vu des choses en août 2000 que je n'ai pas vues. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on peut en dire physiquement et ce qu'on peut associer à elle aujourd'hui avec des textes, avec des lumières, avec des accointances qui nous font finalement vivre ce que je dis qui se passe, mais qu'on ne voit jamais, cette collision. Donc je pense que ce qui travaille souterrainement, c'est cette chose qu'on a tous pratiquée, longuement pratiquée. On s'est vraiment, sur le fait de copier, sur le fait d'imiter, c'est vrai qu'en danse contemporaine, on n'est plus sur ces choses-là, on travaille pas comme ça. Voilà, ce qui se travaille, c'est la personnalité de chacun, non pas à tout va, mais c'est ça qu'on cherche. Et finalement, c'est vrai que là, je suis repassée à un autre endroit, c'est bien le point de vue de chacun qui m'intéresse, mais sur une matière très précise, sur laquelle on s'est vraiment, non pas battu, mais sur laquelle il a fallu travailler pour comprendre d'où ça venait, et ensuite se repositionner sur comment chacun allait le faire. Donc, il me semble, enfin je crois pouvoir aussi élucider que s'il y a une forme d'engagement dans le mouvement très fort aujourd'hui, ce qui m'a toujours beaucoup plu en fait dans la danse, mais dans les pièces que je pouvais proposer, là je vois bien que ça vient de loin, au sens où on a cette chose commune défigurée par tous, et tant mieux, mais c'est ça je pense qui est en jeu. Une des hypothèses de travail d'Emmanuel, c'était donc le Bunraku, c'est ce théâtre de marionnettes japonaises, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est donc un théâtre de très grandes marionnettes, elles font 1m20, 1m30, et elles sont agies par trois marionnettistes qui sont debout sur la scène, donc qui sont très très visibles. Deux sont masqués de noir, et un est à visage découvert. Et donc ces marionnettes sont agies par des corps très manifestes. Et puis sur le côté de la scène, il y a un narrateur et puis un joueur de shamisen, donc une sorte de luth japonais. Et le narrateur raconte l'histoire et il raconte la totalité de l'histoire, c'est-à-dire qu'il raconte le récit cadre et puis il raconte à l'intérieur de l'histoire toutes les voix de tous les personnages, etc. Et ce qui est très très impressionnant dans le Bunraku, c'est que ce narrateur, il est une pure machine à dire du texte, c'est-à-dire qu'il est, son corps est complètement séparé, il est engoncé dans un costume très immobilisant, comme ça, une espèce d'armure de tissu, et il met son expressivité au service
strictement de l'émission de la voix, c'est-à-dire que les expressions de son visage sont pas du tout des expressions de jeu, c'est des expressions techniques. Ça sert juste à passer du très aigu de la vieille dame en pleurs au cri du samouraï, etc., etc. Voilà, donc on a travaillé ça, et donc dans les constructions des différents récits qui sont, parce qu'on en a écrit un certain nombre, mais Stéphanie en a aussi beaucoup improvisé à partir du gros corpus de textes qu'on avait dans le travail, et puis au bout d'un moment on a sélectionné. Ce qui nous intéressait, c'était aussi de juxtaposer des formes d'énonciation très différentes, très contrastées, très avec des coupures qui peuvent sembler un peu brutal, mais parce que on a cette conviction que il y a un relais entre la danse, la musique et le texte qui peut construire quelque chose indépendamment de cette espèce de séparation native qui tient au dispositif. Et tu te trouves face à un escalier suspendu qui s'élance vers la droite. François Bon étant donc un écrivain qui fait beaucoup écrire des personnes qui ne sont pas des écrivains. Il fait des ateliers d'écriture avec des corps de métier très, très différents, voilà, avec ce qu'on appelle donc des amateurs, comme nous, au niveau de l'écriture. Donc il nous a demandé d'écrire, après qu'on lui a demandé de nous faire écrire, sur cette question du dehors des danses, sur cette question de ce qui se passe quand on danse. Bah donc on s'est retrouvés un beau matin avec un grand dossier, plein de textes, très différents les uns des autres, très hétérogènes. Et on s'est un peu demandé comment pouvoir faire fonctionner un texte. Mais assez vite, avec Jeanne, on a un peu fait le choix de ne pas écrire un texte et d'imaginer plutôt que ce texte s'écrirait ensemble. En fait, dans le dispositif que vous avez vu ce soir, c'est-à-dire de permettre à ce que le texte n'ait pas une unité en lui-même, qu'il ne soit pas une chose, voilà, un texte d'un auteur, mais que ce texte soit suffisamment troué, laisse suffisamment d'espace et de place pour construire un récit entre la danse et la parole. Qu'elle a lu quelques phrases, il lui parle avec intention, sur un ton de reproche. Mais que faisais-tu tout ce temps avec ton instructeur ?